Et bonjour à tous, bonjour, ici Cléa Sim, on se retrouve pour un nouveau live sur Crusader Kings 3. Bonjour à toi Falseac, bonjour à toi juste comme ça. Donc on va continuer la partie avec Jérusalem. Dans le dernier live, on avait eu la surprise, hein, vraiment, quelle belle surprise d'avoir comme cadeau d'anniversaire et de Noël le trône. Le trône d'Aquitaine, hein, vraiment, on s'y attendait pas. Le décès malheureux de notre cher et tendre allié, frère de notre belle-sœur, qui elle-même a eu le petit souci de devenir veuve assez tôt. Hein, malheureusement, ouais, ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, hein, vraiment, c'était ô combien triste, hein, que le roi Julien d'Aquitaine soit abattu par notre propre dague. Vraiment, bon, voilà, il avait 8 ans, malheureusement. Ça s'est pas bien passé pour lui. D'ailleurs, pourquoi roi loup d'Aquitaine, votre grand-père? D'accord, il était frère de notre grand-père. D'accord, donc c'est en tant que... D'accord. Ouais, c'est vraiment triste, hein, on est d'accord, hein, c'est d'une tristesse absolue. Et notre frère est malheureusement décédé dans d'atroces circonstances dont on ne saurait. On saura le venger, hein, alors qu'il était en train de se battre contre des vassaux, sûrement des vassaux qui ont essayé de l'assassiner. Bon, par la force des choses, on a hérité de ce titre. Bon, on va devoir faire avec. Hein, pas trop le choix. Qu'est-ce que c'est triste. Franchement. Tu ne serais pas forcément très doué lors d'un procès, surtout ne te défends pas tout seul. Ah mais j'y suis pour rien, moi. Il y a de ces vassaux qui lui en veulent et qui l'attaquent et qui lui font des trucs bizarres. Nous, on n'y peut rien, quoi. Enfin, que voulez-vous? On est obligé de reprendre sa volonté et de tenir correctement le royaume d'Aquitaine maintenant. Donc, non, on n'y peut rien, quoi. Enfin. Dommage qu'on n'ait pas une petite revendication sur la Bretagne, là. Mais sinon, bah, que voulez-vous? On a fait de notre mieux, hein, pour garder le pays. Voilà. Bon, après, on peut regarder les dynasties. Est-ce qu'on a les dynasties là-dessus? Légende. Langue de cour. On n'a pas les dynasties? Parce qu'on a notre dynastie sur le royaume d'Ifrikaya. On a notre dynastie sur le royaume de Lituanie aussi. Est-ce qu'on a notre dynastie sur les autres royaumes? Ah, lui, il n'existe pas, d'accord. Non, malheureusement. Pas trop d'autres dynasties ailleurs. Hein. Ah bah attendez, enfin, le truc le plus simple même, c'est de faire ça. Membres vivants, parents. Oui, parents, s'il vous plaît. Donc nous avons actuellement trois rois. Nous avons cet homme-là qui est compagnie mercenaire, d'ailleurs. Duc de Barcelone, duc de Connacht. D'accord, c'est toujours Connacht et toujours à nous. Pareil pour Al-Saïd, d'ailleurs. Visby, Samogitie. Jérusalem, bien sûr. Avec le Yarlandom de Gascogne, notre frère. On a également le Delta, ça c'est sûr. L'Outre-Jourdain aussi. On a quand même quelques territoires. Hein. Un petit peu à droite à gauche. Bonsoir à toi. Bonjour à toi, Esmuro. Mon père est-il bien anglo-normand?
Non, il est cumbrien, mais ça, à la rigueur, on pourra gérer ça avec le changement culturel. Parce qu'on va essayer de mix. Alors, il y a deux trucs qui m'embêtent, c'est qu'au niveau culturel, si on fait avec les Mashriki, on n'aura pas les Égyptiens. Mais je ne sais pas si la culture égyptienne et Mashriki sont proches ou pas. Parce que sinon, on pourrait match-up avec l'égyptienne pour que tout ça devienne anglo-norse égyptiano, là, je ne sais pas trop quoi. Mais Mashriki, ça serait pas mal parce qu'on pourrait s'étendre de ce côté-ci. Il serait un bon territoire. Notamment aller chercher la Syrie. La Syrie serait pas mal. Après, c'est vrai qu'on pourrait aussi fusionner avec des territoires français ou aquitains en termes de culture. L'occitan ou le français pourrait nous permettre de pouvoir gérer, mais bon. On va être de la culture que l'on peut. Déjà. Parce qu'au niveau de la culture Mashriki, on était qu'à 8% actuellement de culture. Ce qui était un peu gênant, mais. Après, on avait toujours cette fameuse légende qui, pour l'instant, progresse, mais très doucement. 118 personnes y croient, quand même. On pourrait essayer de le faire à l'international. Chancelier, il me faudra un bon chancelier, s'il vous plaît. Donc, c'est vrai qu'on a ce point-là. Après, lui, il a combien de troupes? 4000 troupes et il est dans la merde. Vous pensez que les autres musulmans vont venir l'aider? On a de la charite ici, on aurait l'Empire de Perse qui pourrait venir. Eux, ils sont trop loin, ils viendront pas. Mais la Perse était en guerre avec l'Empire arabe, donc... Je me dis que ce serait l'occasion... Nos troupes sont quasiment à fond. Guerre sainte pour le royaume. Parce que si on fait la guerre sainte pour le royaume, en obtenant la légende, on aura peut-être la deuxième possibilité de faire une guerre sainte à nouveau pour un royaume. Et j'avoue que la Syrie m'intéresse fortement. On va le faire. Do it! Bon, surtout qu'ils auront les ordres sacrés, mais bon, après. Je pense qu'on aurait pu le tenir. On a notre propre ordre sacré, de toute façon. Ah, on en a même deux! L'ordre de Calatrava et l'ordre d'Alcantara. On a deux qui nous coûteraient rien du tout, mais on peut enlever qu'un seul. J'avoue que celui-là me plaît pas mal. On a besoin de répandre la culture, donc c'est plus simple de répandre la culture, de répandre la culture sur notre territoire que sur les territoires autour. Oui, c'est une trivialité, on est d'accord. Non mais non. En fait, c'est juste non. Le royaume, c'est quoi? Ah bah oui, on aurait pu prendre en dessous. On va peut-être partager l'armée en deux, ça continue. Peut-être faire comme que notre fils nous aime, ça peut être utile.
Je vais aller prendre Damas. Et toi, tu vas aller prendre Balbec. Guild coopérative, j'aime beaucoup. On peut demander le roi Mahamad. Mahamad de Duby. Ouais, non, il veut pas. Ah, j'ai un nouvel atout en attendance. Mais zut alors. Percepteur, j'aime beaucoup. On est sur quoi d'ailleurs actuellement? Ah ben non, on est toujours là-dessus. Lui, il est là, non. Oh, il a eu un petit plus 1, appel à la guerre. Et on a ça, on a un nouveau point. Efficacité de la poursuite, expérience mode de vie martiale. Espérance de vie plus 5 années, ça me dit rien du tout par contre. Hein. Fécondité. Interprète efficace. Légitimité. Augmente du contrôle. Opinion populaire. Oh, c'est bien. Chaque héritier commence avec le modificateur lignée pérenne qui renforce son gain de légitimité de 10% pendant ses 10 premières années de pouvoir. Oh, ça peut être fils de nos pères, ça peut être intéressant à aller chercher, hein. Ça serait intéressant, hein. Héros d'autrefois, gagne une graine de légende au fait pour la dynastie, d'accord? Gagne une graine de légende et utilisable qu'une seule fois par dynastie, mais par n'importe quel nom. Ça peut être sympa aussi. La lignée héroïque me plaît beaucoup. Obtient le trait saint à la création d'une sainte légende mystique. Oh, il y a des choses qui me plaisent, hein. Obtient le trait légende vivante à la création. Oh purée, il y a des choses qui me plaisent. Hein. Obtient le bâtiment. Débloque le bâtiment tour de guet légendaire après avoir terminé une légende. Oh, elle a l'air d'être bien, elle a aussi. Hein. Salut à toi, Casimir. Oui, en fait, j'étais devenu une légende vivante et le jeu me proposait un événement de partir avec mes troupes pour aller conquérir un nouveau territoire. Et c'est tombé sur Jérusalem. Donne accès au casus belli de revendication ancestrale sur toute revendication obtenue via une légende légitimatrice. Oh, ça peut être pété, ça! Les ancêtres mythiques. Ah, j'ai envie d'aller chercher. Hein. Mais je vais peut-être pas le prendre tout de suite, gagner une graine de légende au fait pour la dynastie Flamme de Fer. On va pas le prendre tout de suite parce que on veut finir la légende sur laquelle on est. Je pense qu'on va se garder ça de côté pour l'instant. Ah oui, avant les croisades en plus, oui. Alors, elle est où ma légende? 0%, 0%. Siège de Karak perdu? Comment ça, on a perdu un siège? Alors attendez, excusez-moi. Je crois qu'on a perdu un siège là. Guerre de jeunes Nubiennes, bon.
Et lui, t'es qui, toi? Ah. Bon, d'accord. Prends des leçons de théologie. Allez, on va aller chercher ce territoire là-bas. Mon héritier, Inconstant, ça m'embête, Inconstant. Colérique. On va laisser Colérique. Ah, peut-être un artefact, une coupe. Ah non, dommage, les coupes, ça m'intéresse pas. On a des bouquins qui tiennent rien du tout. Vous pouvez modifier le contrat de la vache. Non, mais non, de elle, non, c'est pas la peine. On va peut-être aller se faire une... Ah mais je crois pas que je puisse faire quelque chose si je suis déjà en guerre. J'ai pas l'impression que je puisse faire une petite chasse, quelque chose. Genre ici. Ah si, je peux. Alors, on va aller faire une petite chasse pendant ce temps-là. L'antilope, la hyène, ouais. Alors, par contre, protecteur du lieu saint catholique. Ah, ça continue, ça s'est répandu. Ça s'est répandu dans le Tigré. En Abyssinie et tout, mais il y a des catholiques là-dedans? Bah non, pourtant. Mais ça s'est répandu. Bah non, c'est pas à nous ça. Oh, nous on est là. Oui, d'accord, donc non, ça se répand pas. C'est. Ouais, pour l'instant. Ah si, ça pourrait se répandre ici. Enfin, ça pourrait venir sur les territoires d'Ifrikaya, etc. à la rigueur, par la force des choses. Mais
Ça me plaît pas, mais augmente l'expérience de chasseur si j'essaye de l'abattre moi-même. Ah, je suis mort! J'avais 15% et je suis mort! Il n'y avait pas un problème de type j'avais pas déshérité tous mes gamins? Ah si? Si, si. Est-ce que j'ai perdu Non, j'ai pas tout perdu, je suis ok. Est-ce que tous mes frères Non, j'ai qu'un petit frère, ok, c'est pas très grave. Ah oui, il faut qu'on se réapproprie la légende, par contre. De chevaliers, ok, des prisonniers, ok. L'artefact fléau du roi. Je viens de t'informer que le roi a péri. Il a été attaqué par une hyène, pendant une chasse. J'aime bien en fait cet artefact. Pourquoi pas? C'était une belle hyène. Est-ce qu'on a... On a 10 ans. Oh, voilà une personne tout à fait intéressante. Il me déclare la guerre. Attendez, 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 attendez. Pourquoi elle me déclare la guerre? Ok. Une guerre pour quoi? Comté de Negev. Juste pour un comté, tu m'attaques? C'est pas une guerre sainte? Elle m'attaque pour le comté de Negev? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Tu es de quelle culture? Ah, je suis de culture anglo-nordique, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, par contre. Mais on est à combien ici? Acceptation 5%. Ouais, mais on va jamais y arriver à ce rythme-là. Promouvoir la culture, on va la promouvoir ici. Il y a combien de troupes en face? 9000.
Est-ce qu'on peut avoir une alliance de la part de notre frère? Ah, par contre, peut-être que je regarde lui pour mon éducation. Qui est mon percepteur? Je n'ai pas de tuteur. La prise du royaume de Syrie. Par contre, ça c'est pas cool. Non, si ça, ça change pas. Faut que je regarde un peu qui est mon. Elle est désintéressée, ok, ça c'est bon. Ok, capturé. Voilà, ça c'est réglé. Voilà. Maintenant, t'arrêtes tes conneries. La légitimité, elle est à combien? 3 sur 4, 3 sur 5, c'est pas suffisant. Il faut que j'aille là. Et là, il faut que je continue pour aller défendre Juwair. En plus, il y a la maladie sur nos territoires, c'est pratique, quoi. La dernière bataille nous a tant donné que ça? 50% sur la dernière bataille alors qu'ils étaient 300 troupes? Oui, enfin... Ok! Ok! Ah, faut pas vous battre, c'est pas grave. Bon. Alors... ok. Alors. Bon, alors, on va déjà baisser les troupes. Parce qu'il y a un moment, ça va coûter un peu cher quand même. Vous pouvez stationner des régiments d'hommes d'armes. Oui, bah oui. Non stationné. J'en ai 3 non stationnés. Ah, mais parce que j'ai perdu. Ok, oui, je sais ce que j'ai perdu. Ok. Problème, c'est que j'ai pas spécialement. Garder Jérusalem, je dis bien, mais. Garder Tibériade et Acre, je suis pas fan. Hein. Pourtant, Tibériade, il y a des trucs intéressants. Il y a. Ah non, il n'y a pas tant de trucs intéressants que ça, mais bon. Alors. Il me faudrait des Anglos. Ok, bon, bah toi déjà, on va t'accorder des titres. Je vais lui donner Alep. Et qu'est-ce que ça donne Alep? C'est tout Alep, ok. On va rester sur cette carte-là. Accorder des titres.
Ah, il manque un titre. On va lui donner ce titre-là, et je pense qu'on va lui donner Antioche aussi. Ça fera déjà un premier qui sera à peu près pas mal. Voilà, il y a eu un peu de temps qui est passé, on devrait avoir de nouveaux gens, voilà, genre lui, évêque de Alep. Mais non, je peux pas t'accorder des titres parce que t'es évêque. Ouais, mais toi, t'es pas bien, donc on va te donner des titres, tu mourras, mais ça me servira temporairement. Palmyre, donc il faut que j'aille jusque-là. Je vais donner tout Palmyre et je vais lui donner Homs. Ça me permettra de récupérer quelques hommes de la bonne culture et de la bonne. Parce qu'après, est-ce qu'à partir de là, je peux. Mashriki, ouais, c'est que 5%. C'est pas suffisant. J'ai que celui-là pour l'instant. J'ai la rougeole. Commence bien. Sauf que lui, est-ce qu'il est de la bonne? Oui, il est anglo-normand aussi, ça c'est bon. Anglo-nordique. Oui, on pourrait aussi, oui, c'est vrai. Pourrait faire ça ici. Et ça, c'est tout Abbaside, ok, c'est tout Damas. Donc, il y a tout ça. Ok, et après il resterait les Lebanon, mais je sais quoi comme territoire que j'étends. Tripoli, Beyrouth. Ah, j'ai ça là-haut, oui, j'avais pas vu. Vous avez hérité de Yarldom de Palmyre et tout ça. Ok, ouais, bon, ça c'était pas trop le plaisir, mais. Il aura tenu les terres pendant longtemps, bah oui, c'est un peu ça, oui. Bon, alors la promotion de la légende, on en est où là? Elle est que là pour l'instant, hein. Mais au moins, elle va se répandre sur nos terres, quoi. C'est déjà ça. Hein. Ce qui m'embête, c'est qu'il faut que. Alors, j'aimerais bien tuer mon frère, mais d'un autre côté, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Oh, c'est encore plus rapide! Ah ben, franchement, qu'est-ce qu'on s'emmerde, hein? Qu'est-ce qu'on s'emmerde, franchement? Bon, alors par contre, apparemment je suis en guerre.
Est-ce que je peux avoir la pause, s'il vous plaît? Merci. Ah ben oui, d'accord, oui. Alors, ce qui m'embête... Ah si, j'ai gardé le Caire. Mais j'ai fait zoom. Pourquoi j'ai fait zoom aussi? Ah, j'ai un deuxième château. Ah. Ouais. Ah merde, il y avait quelqu'un qui était encore mieux à 34. Bon, on va le laisser pour l'instant, mais... Qu'est-ce qu'on a? On peut stationner des régiments d'hommes d'armes. On a quoi comme régiment d'hommes d'armes? Ok. Alors ça. Stationner. 03, 03, 03. Là pour l'instant. Plus 9. Oh, le petit plus 9 là, j'aime bien. Et là, un petit plus... ok. Ce qui m'embête, c'est que... Alors... J'ai bien tout ça. Est-ce que ça m'intéresse de garder tout ça, quoi? Ah, je peux en donner deux de toute façon, ça c'est sûr. Et qui est mon... Non mais on est d'accord que j'ai un tuteur de merde. Ah, il est pas bon. J'ai perdu un coffre, j'ai l'impression. Ah, j'ai pas per perdu le... Attendez, 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 attendez. J'ai pas perdu le coffre de notre père, là? Ça, c'est quoi, ça? Donc, le bras de Saint-Georges, le coffre ornemental. On n'avait pas un coffret... La pierre de Scone, on l'a toujours. On n'avait pas un super coffre? Coup de recrutement des mercenaires. Prestige par chevalier. Oh, ça, j'aime bien, par contre. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le tablier de Cavée. Ouais, j'ai l'impression qu'on a perdu des trucs, mais... Oh, j'ai même plus besoin de tuer mon frère, oui, ça c'est bon. Ce qui m'embête, c'est... Bon, enfin, je donne Tripoli, ça je vais pas pouvoir... Sinon ça va trop m'affaiblir et je peux pas me permettre. Oh, c'est qui lui? Garde Tripoli et Beyrouth pour moi, s'il te plaît. 7 sur 5, après ça on peut tenir. Ce qu'on a maintenant on peut tenir. Ce qui m'embête c'est qu'il faut absolument que je monte en intendance. Le problème c'est que j'avais un beau mariage avec cette jeune femme là. On va quand même le reproposer.
Ouais, mais elle fait encore pire. Mais c'est quoi ces médecins de la cour de merde? Qui est mon héritier? Ouais, on a un héritier au moins. On se fait piller. Attendez, mais on se fait piller chez nous? Non, mais il y a un moment. Le Danemark qui vient du bout de nulle part là, non? Bon. Ok. Alors, ce qui m'embête, c'est que je vais peut-être pas être de la bonne culture. Si, je suis anglo-nordique. Ok, ça c'est bon. C'est déjà une bonne nouvelle. Par contre, ma... Ah si, ma légitimité est haute, d'accord. Ok. Un événement historique, je m'en fous. Alors. Oh, bon dirigeant guerrier, j'aime beaucoup. Un bon dirigeant guerrier, j'aime beaucoup. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'aille chercher stratège, mais c'est pas le moment pour ça. Ça peur, par contre, j'aime bien. On va aller chercher ça. On va aller chercher le préparer à régner. On partira sur le pognon ensuite. Alors, par contre. Ah oui, mais tout ça, oui, il faut que... Alors, est-ce que j'ai un frère? Ah, mais il n'est pas de la bonne famille. Est-ce qu'on a des membres de la famille? Ils n'ont pas de... Fils de la duchesse, Moncatada. Et ça, c'est Yarlom de Wessex, mais ça va... Elle est mariée, donc ça va pas le faire. Fils de Yarl. Votre beau-frère. Duc du Cyrénaïque. Ah mais Cyrénaïque. Si, bah si, c'est pas grave. On va accorder des titres. On va lui accorder ça avec le titre qui va avec. C'est ça, avec le Yarldom de Saïd. Alors, le Cyrénaïque et elle, mais ça veut dire que la maison va se répandre un peu dans le territoire, donc c'est pas trop grave. Lui, il est anglo-nordique, ok, c'est bien. Chevalier de la Panthère. Ok. Il y a des artefacts. Bon, grand livre ancien, c'est quoi? Expérience de mise en... C'est de l'intendance, faut pas trop sans tapisserie. Allez, tapisserie. Il y a tout qui prend des claques. Il y a des artefacts qui ont pris vraiment cher. Oh, il y a eu 3 morts en peu de temps, ouais. Dissension à Jérusalem. Ouais, non, ça va se vendre. Code de maille de guelf. Ça va se vendre. Pierre précieuse modeste. Je vous avoue que...
Plaque antique, ouais, je crois qu'on va faire un peu le ménage dans les artefacts. Hein. Armure lamellaire nordique, angle nordique, ça, on y fait quelque chose. Peau de cerf féroce, on va y faire quelque chose, j'ai pas le choix. Il manque un. Quarante manquants, d'accord. Ok. Non, c'est pas. Après, on reste dans la famille, donc c'est pas très grave en soi. Ce qui est un peu plus chiant, c'est pour gérer la légitimité, etc. Mais après, le reste, ça peut. C'est quoi ces armes de con là? Épée simple, brise-moi ça. Enfin, il y a un moment. Ah, mais attendez, on a peut-être la possibilité d'avoir des artefacts meilleurs aussi au niveau de la cour. Non, là on a toujours pas mieux. Crâne de Charlemagne, la lance. On n'est toujours pas bon sur les territoires, mais est-ce que toi tu veux bien m'assister sur le domaine? Ouais, t'es à chier. Tout va bien. Assister le dirigeant dans toutes les politiques. On va faire notre mieux ensuite. Ah, la rougeole peut nous rendre aveugles. On va peut-être commencer par un enterrement. On va faire un enterrement. Mais il revient, lui? Donc, votre cousin, votre oncle, on va commencer par l'oncle. Putain, 300 balles. J'ai pas assez. Mon fils est héritier. Ok. Alors pourquoi je peux pas? Parce que je suis dans un festin. Mais c'est quoi cette histoire? Comment ça, je suis un festin? Votre festin. Mais je l'ai fait où ce festin? Ah d'accord, chez mon mari, ok. Ouais, cool un héritier s'il pouvait ne pas mourir, mais bon, il est déjà maladif, donc il peut mourir. On participe tous. Ah bah, mon enfant est mort. J'ai quel âge d'ailleurs? 38 ans. Oui, il serait peut-être temps d'avoir un enfant, hein.
Alors, ce qu'on va faire par contre, est-ce qu'on va pas pouvoir faire ça? Est-ce que je pourrais avoir la peau, s'il vous plaît? Merci. On va aller regarder dans mes artefacts. Parce que là, j'ai quoi? La pharmacie selon Boris. La pharmacie selon Gamal. Oui, c'est bien, mais autant de pharmacies m'intéresse pas. Ça quoi? Prestige. Ok, autant dire que c'est rien d'intéressant. Magnifique collier, chance de propagation de la légende, ça il me le faut. Eau guérisseuse, c'est du gain de stress en moins. Ça m'intéresse pas. Exemplaire de Sainte Écriture, ça m'intéresse pas. Ça, c'est de la tendance. Épée anglo-nordique. Qu'est-ce que ça fout là? Ok, d'accord. Opinion de la part du conjoint, expérience. Et condité. Fécondité, voilà. Un moment. Et on aura bientôt une guerre civile avec exiger l'indépendance du seigneur. 10 membres. Comment ça, 10 membres Qui sont ces membres en question? Ah, mais c'est eux, d'accord, ok. Il y a un deuxième. Le problème, c'est que même si c'est intéressant, bon, je vais peut-être quand même partir, tant pis, sur héros d'autrefois. On aura la graine de légende au fait pour la dynastie, qui nous permettra de faire glisser un territoire de jure directement dans le nôtre. Donc pourquoi pas faire glisser la Syrie ou l'Égypte. J'ai envie d'avoir des gars qui travaillent un petit peu. Alors, j'aimerais avoir des artisans. On va gérer ça. Est-ce que mon mari est meilleur à ce niveau-là? Toujours plus 4 pour gérer le domaine. J'ai combien? 9. Ça me donnerait plus 12. Ouais, c'est déjà moins catastrophique que ce que l'on avait. On en est où sur cette légende? 122. On va avoir du mal à avoir mieux, je pense. Hein. Malheureusement, protecteur du lieu catholique, on n'est pas sur une légende qui se propage facilement. Hein. 0%, 0%. On va prendre le prestige. Il nous faut les 2000 de prestige pour avoir les bonus qui sont liés à ça. Non, mais là-dedans, délistant. Enfin, il y a un moment. Cache corsé. Par contre, ça, je veux le garder, le cache corsé. Je veux voir si on peut le mettre sur quelque chose. Exemplaire des Saintes Écritures. Je sais pas si j'en ai pas plusieurs. Faudrait que je vois. J'en ai pas plusieurs des exemplaires des Saintes Écritures, là. J'en ai trouvé un. Pharmacie. Par contre, des pharmacies, j'en ai. Ah oui, d'accord, oui, non, mais par un moment. À un moment, je veux bien, mais j'en ai 150, donc.
Grand livre ancien, ça c'est de l'intendance. Histoire d'amour de la maison. Manuel de commerce maritime, ok. Avec les fleurs pressées, vous pouvez nous donner de la fécondité supplémentaire. On va prendre les fleurs pressées. Alors là, on a plus 15, 30, 45% de fécondité. Il y a un moment. Non, c'est que en fait, je perds plus de temps à les réparer que à les utiliser. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Trop de duchés possédés. Duché de Palmyre. Comment ça, j'ai le duché de Palmyre? Accordé, duché de Palmyre. Ok. Et j'ai le duché de Champagne. Ah, j'ai le duché de Champagne. Anglo-nordique, française, anglo-nordique. Et c'est quoi là le... Je suis en train de faire un truc, influencer le patriarche, c'est pas évêque, c'est Yarldom de machin. Ouais. Pas inintéressant. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un guerrier. Parlez-moi de la pratique à l'épée. J'aime beaucoup. Et là, forger un insigne royal. Ouais, mais on avait déjà un truc. Enfin, mais j'ai dit que je voulais des artisans. Donc, on va dépenser un peu d'argent pour avoir des artisans. Aspirant, maître des larmes. Ok, j'ai 100 points en diplomatie. Est-ce qu'on a la chasseur? Non, on n'a pas forcément chasseur. On a fait on a un truc festif, mais... Peut-être une petite chasse. En fauconnerie, j'aime bien, parce que ça pourrait faire gagner des points. On va aller à Beyrouth. Peut-être se prendre peut-être un petit... Le
ce qui fait chier, c'est que je suis adultère. Bon, ça, encore. Non, c'est lui qui est adultère, pardon. Roi croisé. Saint monarque, ok. Et là, en dessous, c'est quoi? C'est pas de la famille à chaque fois. Non, c'est même pas de la famille. Frikaya s'agrandit, mais. Ouais, la France, elle fait peur. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Guerre contre la tyrannie de l'empereur. Guerre contre la tyrannie, ok. C'est encore des tyrannies, toujours des tyrannies, surtout de la tyrannie. Par contre, là, est-ce que c'est un membre de la famille? Non, c'est Mouramien, donc c'est plus de la famille.